Hey, salut tout le monde, c'est Slicker qui vous parle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur Doom. Vous l'avez vu, sur la miniature, sur le titre, sur le truc que vous voyez actuellement. On est dans le menu de Doom. Doom qui est sorti en mai. Donc là on est en août. Et je suis un peu en retard, je sais, mais moi j'ai pas pu faire de vidéo avant. Et aujourd'hui je suis super content les amis, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de jouer à ce jeu. Du coup je vais lancer tout de suite. Campagne, nouvel emplacement. Paramètres. Ok d'accord, bah je vais faire les paramètres. En fait je trouvais pas les paramètres du jeu. Du coup je savais pas où c'était. Les sous-titres, j'aimais pas. Si vous les voulez, vous me le direz dans les commentaires. Bon, on va dire que c'est bon. On verra plus tard pour le reste, hein. J'ai envie de démarrer, j'ai envie de jouer là. Donc fais-moi mal. Donc Bleuzaï, en combat vous avez une grande chance de succès. D'accord. Aujourd'hui vous devez faire deux décisions. Ouais bon. Ultra cauchemar. Ah! Ultra cauchemar, c'est le mode cauchemar, sauf que si tu meurs, la campagne est terminée. Bon, allez, fais-moi mal. Putain, les gars, je suis content. Ils sont enragés, Oula. brutaux, impitoyables, sans merci. Mais vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. Oh yeah. Wesh. Bienvenue dans Doom. Alors, directement. Putain, le jeu est magnifique, hein. Très belle arme on dirait. Alors ouais, déjà le jeu est magnifique. Bon allez on y va, moi j'ai envie de niquer du démon là. Pandour? Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir reprendre le contrôle. Oui. Absolument. Du coup la combinaison du Doom Guy. D'accord. Alors on va se calmer hein. Magnifique. Alors le mec s'est armé en 2 secondes. Oh yeah. Invasion démoniaque. Ah bah c'est con ça. Ça le fait pas du tout. Va falloir niquer du dépôt du coup. Ok. Je ne comprends pas. Impossible de déterminer la cause de l'invasion démoniaque tant que le satellite des opérations sur ressources n'est pas réactivé. Faut réparer un satellite, c'est ça? Bon, le scénario c'est de la grosse merde, c'est normal. Bienvenue. Je suis le docteur Samuel Hayden. Je dirige cette station. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème ensemble. Ah d'accord, je m'en bats les couilles en fait. Wesh. Glory kills. D'accord, carrément. Oh. En fait, on a un mec un peu ninja, c'est ça? J'adore, j'adore, j'adore. Oh, le fusil à pompe, les gars. La base de Doom. Donc, si tu fais ce let's play, c'est parce que avant, je jouais à Doom 3. J'ai fait un let's play sur Doom 3 sur ma chaîne. Et du coup, j'étais obligé de le faire ce jeu, quoi. Bon, ça n'a rien à voir avec Doom 3, par contre, hein, dans le sens où ça revient un peu aux bases, genre Doom 1 et Doom 2. Doom 3 est un peu. Toi, tu fermes ta gueule, hein, déjà. Ah oui d'accord, ah oui. Oh. Un diablotin. Bonjour. Oh mais il y a une...
Ça explose, j'aime quand ça explose. Ah oui d'accord, vous avez pris cher. C'est dégueulasse. Oh Rondour Ok ok d'accord, ok ok. Ah je suis qu'à 37 putain. D'accord, décollage de mâchoire directement. Putain je peux pas aller loin partout là. Alors là toi, il a bien niqué ta... Oh. Toi je vais t'exploser, non je peux pas. Ouf, ça fait mal. Ta mère, hop là. Toi tu me donnes des coups, toi, d'où tu me donnes des coups là? Viens par ici, hop. Alors c'est un jeu très doux hein. C'est un jeu... De toute façon je pense que vous avez déjà vu des vidéos dessus. Il a pas mal buzzé à sa sortie quand même. Hop là, mais là ça va être le jeu en entier tu vois. On n'a pas le temps. Oh putain, 45 de vie, ça bon, ça passe. Oh le petit esquive. C'est méga dynamique quand même le border. Intrusion démoniaque terminée. Fin du verrouillage. D'accord, en fait c'est ça le principe du jeu, c'est t'entres dans des arènes, tu démonstres, et puis après ça se déverrouille. En gros c'est ça. C'est simple hein, mais ça marche bien je pense. Ok. On est à quoi? On est à 10 minutes de vidéo, ça va. Je pense faire des vidéos de 30 minutes. Bandour. On ne peut pas le laisser quitter cet endroit. Il pourrait tout compromettre. Quoi, Aiden, c'est ça? Le directeur de l'UAC, il est méchant? J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces derniers 24 heures. Connard. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à notre monde n'avait pour seul objectif de l'amélioration. Il apparaît aujourd'hui que nous avons fait pour notre vie. En effet. Beat Software. J'adore cette musique les gars. Musique bien métal là. Bon, on part sur Mars directement. Et par contre les graphismes c'est n'importe quoi. Ça c'est la carte, un peu bordélique d'ailleurs. Point d'amélioration d'armes, est-ce que j'en ai 0, d'accord. Parce que je sais qu'on peut améliorer son arme au cours du jeu. J'ai pas de jeton armure. Et la base de données, les armes, les monstres, artefacts. De toute façon le jeu je le ferai une fois, après je le referai en mode plus difficile, etc. Donc j'ai le temps d'apprendre tout ça, là c'est vraiment let's play en mode YOLO. Hein. De toute façon là c'est pas un mode trop difficile donc ça devrait aller. Ok donc, ça n'a rien à voir avec Doom 3 mais j'espère que vous me suivrez sur ce let's play. Moi je, du coup je peux sauter de là en fait. Compensation d'impact, d'accord. Donc au début t'es un peu une merde, après t'as plein d'armes, t'as plein de compétences et tout. On vous dit ça c'est l'armure, d'accord. Franchement les gars ce jeu mais... C'est vraiment le jeu que je voulais trop jouer, pour moi c'est le jeu de l'année hein. Après c'est pour moi, c'est vraiment très subjectif, c'est vraiment Doom, c'est un peu ma... Voilà j'ai joué à tous les Doom, etc. Du coup celui-là, bah, je l'attendais un peu, un retour aux sources. C'est pas un Doom 3 like, hein, c'est un Doom like. Un Doom like, bah, c'est un Doom quelque part, donc nique ta mère, allez, moi je veux des monstres. Hein. Alors on va y aller en mode fufu. Je rigole, salut biatch. Par ici. Tiens. Petit coup dans la gueule. Ouais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi, c'est quoi. C'est pas Charlie en tout cas hein. Ok bon on va sortir le fusil à pompe hein. C'est méga le bordel on dirait hein. Allez hop. Oh, oh. Décrochage de mâchoire poteau. Oh.
Ok. Toi, tu vas où, toi? Eh, hey, tourne pas le dos, tourne pas le dos. Oui. Je donne des coups, il s'en bat les couilles, merci. Pour l'instant, j'économise un peu les munes parce que, bon, on n'a pas beaucoup de munes, on a que... pistolet. Allez, dans la gueule. La santé dans ses basses. Ah, ah, méchant bonhomme. Le mal de la santé, enculé. Ok, ils sont dessus, on va se faire repos, pas directement. Ouf. Quatre bras à l'ancienne. Oh, il a volé. Il a volé le cunard. Enfin, c'est bon là, non? Ouais. Explosion. Je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu. Hein, c'est... Là je suis à l'aise, là je suis bien. Là je suis bien. Parce que la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais pas quand sortira cette vidéo. Là je vais tourner plusieurs vidéos à la suite bien sûr. Parce que je veux faire ce jeu directement là, je veux tout finir, je rigole. Ça va pas le faire. Faut le savourer un petit peu quand même. Hein. Non, je vais tourner, je sais pas, entre 2 et 4 épisodes. Ça dépend de. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, je ne ferai pas qu'une vidéo, on est à 15 minutes, tout se passe bien. Je fouille un peu hein parce que bon. Ah j'ai mes 20 minutes de shotgun, on peut pas en avoir plus, c'est un peu dommage. Bon désolé hein, je suis obligé de faire ça, je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. Il y a toujours des mines cachées, hein, toujours des petits trucs. Du coup c'est par là après. C'est bon, on avance hein, on avance. Voilà, c'est par là. Accès refusé. Trouver la carte d'accès bleu. On va dans les... Wesh. C'est lui qui l'a. Ah voilà, on y est. Merci poteau. T'as pris cher toi hein. C'est pas très beau. Carte bleue acquise. Ah c'est pas trop compliqué pour l'instant. Niveau énigme, on a connu pire. Hein. Alors... Ouvre-moi la porte. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Une grenade. Ah moi je suis pas trop grenade. Hein. Je suis pas trop grenade. J'imagine qu'il faut appuyer sur G. Même pas. Comment on lance une putain... Ah d'accord, bah voilà. Donc c'est la molette, hein, c'est un coup de molette. Wesh. Combien de grenades? Ah ça change petit à petit, d'accord. Ça c'est pas mal. Non. Non j'en ai plus, c'est tout, j'en avais qu'une. J'ai utilisé comme une merde. Bon du coup. C'est pas un jeu d'exploration Nathan, donc tu vas courir, tu vas aller un peu partout. C'est un jeu au phonique et du monstre. Voilà. Voilà, comme c'est comme ça qu'on fait. On peut monter par en haut, on y va. Quoi par ici? Je me balade, hein, j'ai l'impression de me perdre un petit peu, mais. Hop là. Pourquoi les Glory Kills? C'était pas sur. Les Glory Kills, c'était pas sur Doom avant. Mais bon, ça dynamise un peu le truc, ça facilite un peu les choses, c'est pas mal. Ça rend le truc assez enfin, vu qu'on le fait tout le temps à la fin, c'est comment dire, c'est ça devient une habitude quoi, c'est comme tirer au final. Je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai pris quelque chose, une carte, je m'en bats les couilles en fait hein, très clairement. Wesh poteau, qu'est-ce que j'ai récupéré un truc pour mon armure. Le mec n'a pas de visage en fait, hein. Le mec il a pas le temps d'avoir un visage. Du coup qu'est-ce qu'on fait sur l'environnement? Ça me paraît pas mal ça. Acheter. 10 000 dégâts d'environnement subis. Bah oui c'est très bien ça. Très bien. Retour. Et j'ai pas de trucs sinon.
Ah, vous me décevez. Ok, bah c'est bon du coup. Putain, y'a un chat qui miaule là. Wesh poteau. Tu veux voir la vidéo? Bon, y'a un chat qui se ramène, c'est pas... Mais qu'est-ce qui branle? Et arrête de miauler là, je fais une vidéo. D'un prendre pour un fou. Bon. Je tourne de Praetor. Ça veut dire quoi ça? Eh hey, bonjour. C'est vraiment des ennemis de merde, hein, ça sert à rien. C'est tout moche. Il faut rien du tout. Hein. C'est de la chair à canon. Pas mal. Hein. Y a pas encore les grosses ennemis genre cyberdémon. Y a pas les grosses armes non plus du coup. Hein. Ce qui dit grosses armes dit gros ennemis et vice versa. Non, les petits ennemis, petites armes. Enfin shotgun, franchement les gars, shotgun. Sur Doom 3 c'était mon arme préférée. Surtout le Doom d'ailleurs. Du coup voilà. Mais en fait y'a le double shotgun après. Hein. Genre ça lance deux balles d'un coup. Vous allez voir. Il était sur Doom 2, hein, le double shotgun. Ouais, pourquoi t'es pas mort toi? Ouf. Moi je vais faire des glory kills, hein. C'est vachement jouissif quand même, c'est... Wesh, toi tu... Oh. Ta mère. C'est ce débit en offert. Qui me lance des boules? Toi tu viens par ici, viens par ici. Allez. Pas de temps moi. Moi j'ai Mars à sauver. Putain Mars ça m'avait manqué quoi. Mars quoi. Les gars Mars. La porte des enfers tout ça. On peut même aller en enfer dans ce jeu. Dans le Doom 1, Doom 2, Doom 3 on n'allait pas souvent en enfer. Dans Doom 3 on y allait je m'en souviens. C'était un sacré niveau l'enfer. Bon du coup là je fais quoi en fait? Ah il y a un truc qui avance par là. Attends, je vais voir ce qu'il y a par là avant. Il n'y a absolument rien. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Soutien quoi? Ah non, je peux choisir entre deux trucs pour améliorer mon shotgun. Donc, en maintenant tech. Ah. Tir de mortier explosif. On choisit quoi? Tir explosif, hein. On va pas se le cacher. Hein? Dans le terrain fournit des modules d'armes. Oui, ils vont fermer, d'accord, j'ai compris. Tir explosif. Oh yeah. Ah d'accord, le mec il a aucun respect là. Quoi? Attends, peut-être que le chat il veut sortir. Il veut sortir? Allez. Vite ta vie. Et t'es vraiment l'enculé toi. Bon bah. Non mais c'est bon, tu m'as saoulé là. J'ai pas le temps. Putain. Excusez-moi. Hein. Oui bah bien. Est-ce que je peux le niquer là? Mais qu'est-ce que tu fais? Putain il me... Putain, j'aurais pas dû lui ouvrir. Mais de toute façon il aurait gratté à la porte tout le temps. Putain je fais mon épisode 1 de Doom. Épisode ultime. Et je peux pas. Il veut sortir là, c'est ça? Putain, il casse les couilles. Sors. Allez, sors. Vas-y. Et ouais, voilà. Bon, du coup. Où est-ce que j'en étais? Tuer des zombies. Oh putain, il y a des méchants là. Là, il y a des méchants. Je sais pas comment on va les appeler ceux-là, c'est les... C'est les gros. Hein, j'aime bien leur casser le bras. Hein, c'est... Ah, salut. Et moi aussi je peux gueuler, enculé. Va. Bah. Pareil ici. Oula, 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 oula. Hey. Tiens, voilà. Reste doux, reste doux. Y'a quoi par là? Franchement, on a tué les gros. Du coup, là, ça va être simple. Enfin, les diablotins, ils sont un peu chiants quand même. Hein. Parce que bon, ils lancent des boules de feu. Ils vont assez vite, c'est pas comme les petits zombies de merde. Mais bon ça va. Ah. Pas une boule de feu. Eh hey, il lance vite en plus hein. Oh. Bon bah ça c'était gratuit.
Ok, du coup. Qu'est-ce qu'il y a par là? Absolument rien. Mais ouais, il y a plein de passages là, ça m'énerve. Moi j'aime pas quand il y a plein de passages parce que après tu sais pas où aller, Zerma. Bon, moi je prends le passage au calme ici. Enfin, j'ai peur de rater quelque chose quoi, tu vois. Bonjour. Allez hop. Pourquoi je dis bonjour comme ça tout le temps là? Pas de politesse là. On n'a pas le temps. Je pense sans les glory kills ce serait un peu chiant en fait. Genre je sais pas, il y aura un truc en moins. Oh putain, et toi tu t'es cru où? Tu t'es cru chez ta mère. Tu t'es cru chez ta mère. Viens par ici, viens par ici. Voilà. Ah bah c'était le petit moment vénère. Non mais t'as par là. Pas mort. Bon je te spam la gueule. Le mec voulait vraiment... Ça me gratte le nez en fait les gars là. Attendez deux secondes. Le mec il s'en bat les couilles. Non mais toi ta gueule hein, franchement là, tu sers à rien. Wesh toi par contre ouais. C'est tellement plaisir quand tu vas mettre ça dans la gueule. Alors toi par contre alors ouais. Chacun aura son coup hein, vous inquiétez pas. Hein. Voilà toi aussi tu l'as, allez hop, merci. Par contre là il y a une petite armure là. Vu que je n'ai plus d'armure, c'est sympa. Ah, ceci par là. Je comprends rien là, c'est le bordel dans le labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe toujours. Oh bien dégueulasse. Oh merde, y'a négro, y'a négro. Enfin y'a un gros. Toi. Ce qui est bien dans le jeu c'est qu'on peut pas recharger, enfin y'a pas de truc de recharge, t'as toujours des balles. Enfin t'as pas toujours des balles mais voilà quoi. Ah mais où est ta tête mon petit? Je l'ai fait disparaître, ce qu'on appelle un tour de magie. Du coup... Je ne comprends pas où est-ce que je suis. En fait, au final, ça revient toujours au même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des petits raccourcis, mais bon, ça. Par contre, là, ce chemin ne sert à rien, en fait. C'est juste pour le kiff. Hein, on est d'accord. Et la musique, franchement. Ça reste un kiff, la musique. Hein. Hop là, merci bien d'être venu. Toi, reste doux avec moi, s'il te plaît. J'ai pas le temps pour être doux là. Ah, là j'ai pas le temps. Oh ils sont beaucoup là. Oh ils sont beaucoup. Tout le monde aura son coup là. Non allez hop. Où est-ce qu'ils sont là? Chez toi. Toi ta gueule. Bah il a disparu. Wesh, je voulais exploser le baril. C'est bon il est mort. Parfait. Oui. Bon bah voilà, c'était pas mal tout ça. Pfff. C'est du sport hein, c'est du sport. Non, ce qui est du sport c'est surtout de parler et en même temps jouer, c'est plus fatigant que jouer sans rien faire, tu vois. Mais bon, c'est plus drôle d'un autre côté, hein. Moi j'aime bien. Du coup, on va peut-être s'arrêter là hein, pour cet épisode. Donc voilà, là on est sur Mars tranquillement. On s'est bien amusé, mais voilà, je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, ou pas. Je dirais plutôt toutes les bonnes choses ont une suite, voilà. Et du coup, bah, je vais exploser ce baril. C'est ça qui est bon, je fais ça pour vous, hein, bien sûr. Et du coup, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, parce que je tiens à vous dire que j'ai eu plein de commentaires sur ma dernière vidéo pour mon retour, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir, donc n'hésitez pas.
commentez, partagez, faites tout ce que vous pouvez. Moi ça m'aide, ça me fait plaisir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis salut à tous. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 2. Et je vous dis salut, bye bye et à la prochaine.